Bonjour, je m'appelle Monsieur Gore. Barevtes. Yes, Monsieur Gore. Aujourd'hui, on va apprendre l'adjectif verbal. L'adjectif verbal a une forme adjectivale. Adjectif verbal, nous dit Atsakanakan Tsev. Comme adjectif, sa courte engendre un nombre avec le nom auquel il se rapporte. Inchpes Atsakan, Polor Atsakan Nere Francere Nom, Hamadzainetsumen, Tvov, Yevserov, Ilarhet. L'adjectif verbal se distingue du participe présent en ceci. L'adjectif verbal tarbelvume hamakatar derbaits, aisink un participe présent, nerkonoshial yerek yeterov. Il exprime un état ou équivaut à un qualificatif. Ein tsuitsetalis vichak. J'ai rarement vu une ressemblance aussi saisissante. Yes hasvatepem tesel, aispisi nmanutyun. Yekrort orinak. Il peut être attribué, un caorinel vorpes attribut. Nos voisins sont de plus en plus méfiants. Mer harevannere el aveli kaskatselien. Yev yerort depke, il s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. Elle le regarde avec des yeux caressants. Na naïumej, nran shoyor achkerov. Adjectif verbal, comme on a dit, il y a des points communs par les participes présents. Inchpes nechvetz. Adjectif verbal, nous, participe présent, nous n'en irarhet, un tanur, keter, un tanrutuner. Yete vertinenk infinitive, aime bai, ne chanakum esirel. Pour le participe présent, il peut être aiman. Hamakatar der bai hamar, aink statsvi, aiman. Aisinken, avelatsumen kouaki, aente verchavorutuner. Pour l'adjectif verbal, adjectif verbal i hamar, arten statsfume, frère aiman. Inchi hamar frère eman, vorovetev, c'est le pluriel et masculin, frère eman. Pour cela, on ajoute à la fin s et sœur aimante. La deuxième cas, c'est le féminin, singulier. Pour cela, à la fin, on ajoute e, aimante. Le deuxième exemple, caresser, shoyel. Caressant, shoyor. Men, caressante. Inchi hamar men caressante. Pourquoi men caressante? Parce que il est pluriel au féminin. Pour cela, on ajoute à la fin es. Et la deuxième, sourire caressant. Shoyor jepit. C'est le nom masculin. Pour cela, on n'ajoute pas aucun, ni s, ni e. Merci beaucoup pour regarder mon cours. On va se rencontrer à bientôt. Au revoir.